Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Mende kerebosu tarabashi kerebosa tarabomia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Nous célébrons ton nom, Yeshua. Nous adorons ton nom, Yeshua HaMashiach, car tu es le Dieu vivant, le Dieu qui règne éternité. Oh, Gréa Karisukuria Kantaramonde. Car tu es le Dieu de toute éternité. Oh, merci Saint-Esprit. Yeshua HaMashiach, le sauveur de l'humanité. En toi se trouve toute chose, en toi est la vie, en toi l'espérance du royaume. Rebo son tarabashe ke rebosa. Yeshua HaMashiach, tu es le Dieu puissant qui règne. Et mon âme veut te bénir. Et mon âme veut t'exalter, d'âge en âge, toute ma vie. Gloria Makanta Baregede. Je veux célébrer celui qui règne éternellement assis sur le trône, celui qui connaît mes désirs. Celui qui connaît mes desseins, celui qui me comprend. Gloria Karabashe Nerebosso Kabrayan Tarabasso Kabare. O Lebroyan Darabashe Karamama. Lebrasaye Kerabasso Tarabashe Nerebosa. Tu es le Dieu qui vit, qui connaît mes souffrances, mes larmes, mes douleurs, mes aspirations. Tu connais mes joies, tu connais tout de moi. Oh, les bruyants tarabashé kerebe. Alléluia. Gloria cantarabashente reboso cabro cayante. Puissant tu règnes sur ma vie, rien ne peut me toucher, me ravir d'entre tes mains. Tu es Yeshua, tu es le prince de paix, tu es le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, là où tu es, tu peux commencer à dire: Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'adore, et je sais que rien ne peut m'enlever de tes mains, personne ne peut m'ôter de tes mains, personne ne peut me, alléluia, m'enlever de tes mains, parce que ma vie est cachée
dont le sang de l'agneau, le prince de paix. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les épreuves, je reste attaché à mon Dieu. Les brayant tarabashe kerebosa. Gloria mange de reboso tarababa lebrosa tabaregeni. Les brayant tarabashe kerebos. Shalom, shalom, shalom. Je veux bénir celui qui règne d'âge en âge dans les cieux des cieux. Il me connaît. Dis à Dieu, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu me connais. Dis à Dieu, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu connais mes souffrances. Tu connais mes aspirations. Tu connais les choses les plus profondes en moi. Tu es intime à moi. Avec toi, je suis à l'aise de pouvoir dire, Seigneur, à ce moment-là, je suis un peu hypocrite. À ce moment-là, Seigneur, je n'ai pas trop de foi. À ce moment-là, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Avec lui, nous sommes sincères. Avec lui, il n'y a pas d'hypocrisie. Alléluia. Les bras santa. Joyeux anniversaire à mon fils David. Oh, que la grâce de Dieu repose. Je pense que c'est le 24 ou le 25, je crois avoir un peu oublié. Alléluia. Mais je veux bénir le nom de cet enfant. Amen. Un enfant béni. Alléluia. Un enfant qui va faire la fierté de ses parents. J'ai mis ça sur mon téléphone. Je me dis que ça doit être l'anniversaire de David ou demain. Amen. Hein? Un enfant super intelligent, alléluia, que la grâce de Dieu repose sur lui. Même si ce n'est pas aujourd'hui, Madame Christessen, que le Seigneur permette que cette bénédiction qui sort de ma bouche impacte la vie de cet enfant. Je ne sais pas ce que l'ennemi a créé, ce que l'ennemi a pensé, mais je peux déclarer que cet enfant fera des exploits pour la gloire de Jésus. De la même manière qu'il s'appelle David, il ne traversera pas peut-être les côtés sombres de David, mais il sera, alléluia, ce roi-là établi dans sa sphère. Là où Dieu veut le positionner, il dominera dans le nom de Jésus et il proclamera la parole de Jésus-Christ. Ça ne sera pas un enfant qui ne connaît pas Dieu. Lui, la présence, la puissance de Dieu sera sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Dieu rectifie tout ce qui avait été détruit par Satan. Dieu rétablit toutes choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloria ma cantaba rege de cora baba 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 baba. Gloria ma yantaraba shekerebo santaraba shekerebo santaba baba. Gloria ma yantaraba shekerebo. Hi kerebo santaba rege de lo brayanta. Si tu peux prier en langue, prie en langue. Si tu peux chanter en langue, chante en langue. Le caramande coria maman sotorobo. Gloria mayantara. Soria kobo. Jebroyantara basso korobo. Alléluia, 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 alléluia. Loué soit le Dieu de gloire assis sur son trône. Loué soit le maître des temps assis sur son trône. Il est le Dieu puissant qui règne, qui est au-delà de toute chose. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te laissera jamais tomber. Mets ta confiance en l'Éternel et il agira certainement pour toi. Mets ta confiance en l'Éternel et il agira certainement pour toi. Celui de qui je te parle, je ne te parle pas d'un homme, je ne te parle pas de quelqu'un d'autre, mais je suis en train de te parler de celui qui a la vie. Celui qui a ta vie entre ses mains,
Je te parle de celui qui sait les desseins qu'il a prévus pour toi. L'homme peut déclarer une parole sur ta vie, mais si Jésus n'a pas parlé, c'est une virgule que l'homme a mis. Lui, il peut mettre un point. Si Jésus a parlé, c'est le point. Mais si l'homme a parlé, il y a une virgule. Si les démons ont parlé, il y a une virgule. Si les esprits de vos familles ont parlé, il y a une virgule. Parce qu'après la virgule, la phrase continue. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'appelle le roi de gloire, qui s'appelle l'alpha et l'oméga, qui est capable de changer les choses en une fraction de seconde. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est roi. D'aucuns pourront ne pas croire, mais nous, nous croyons en celui qui est assis sur le trône. Nous croyons en Jésus-Christ et nos vies sont cachées en lui. Nous nous laissons transporter par lui. Nous nous laissons conduire par lui. Et je veux t'encourager ce matin à te laisser véritablement conduire par le Yeshua. Laisse-toi conduire par lui. Ne calcule pas Dieu en fonction de ce que tu traverses. Ne le fais jamais. Tu serais en train de mal faire. Ne calcule pas Dieu en fonction de tes épreuves. Ne le fais jamais. Parce que ton Dieu a des projets de bonheur pour toi. Ton Dieu sait où il va avec toi. Et ton Dieu veut rétablir ta vie. C'est pour cela qu'il fait certaines choses. Alléluia. Commence à taguer tes amis. Partage le direct. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié, adoré, célébré au nom de Jésus-Christ. Alors, je veux te dire shalom encore. Je te salue dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Michou soit béni par la grâce de Dieu. Madame Christessen soit bénie, ma sœur Nadège. Oh, Ariel soit bénie abondamment. Amen. Soyez bénis tous ceux, amen, qui sont sur cette plateforme, Fatima. Soyez bénis, amen. Soyez bénis abondamment. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que tous ceux qui vont se connecter plus tard, recevez la bénédiction de l'Éternel. Le Seigneur ne fait acception de personne. La Bible dit qu'il y avait des ouvriers de la première heure, ceux qui étaient là depuis le matin. Et ceux qui sont venus le soir ont reçu le même salaire. Ceux du matin se sont plaints. Ah, mais nous, on est là depuis. Pourquoi on a le même salaire? Bien-aimé, Dieu est comme ça. Toi qui acceptes de venir, il te paye. Alléluia, il te donne. Donc, même si j'étais là depuis que midi pour Jésus a commencé, c'est pas grave. Les nouveaux qui vont venir là, accueille-les. Quand tu vois une nouvelle personne sur la plateforme, toi-même là, dis-lui bonjour. Bonjour, ma soeur. Oh, alléluia. Commence à bénir la personne. Quand tu vois une nouvelle personne, ne sois pas individualiste. En Christ, il n'y a pas d'individualité. C'est ça, non? Alléluia. Quand tu vois une nouvelle personne qui est en train d'écrire, tu vas lui dire un bonjour. Alléluia. Parce que c'est ta soeur, c'est ton frère en Christ. C'est quelqu'un qui a besoin de ton amour. Amen. Hein? Donc, que la grâce de Dieu repose sur chacun. Chacun aura sa part parce qu'il honore Dieu. Chacun aura sa part parce qu'il connaît la valeur de son Dieu. Alléluia. Et son Dieu ne l'abandonnera pas. Bien-aimé, je veux bénir le Seigneur. Je veux célébrer le Seigneur parce qu'il est Dieu, parce qu'il est roi. Et alléluia. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème et le Seigneur veut véritablement que nous allions dans cette ligne-là. Le thème d'aujourd'hui, c'est... Le thème là, c'est quoi même? Épreuve. Alléluia! Il y a longtemps que je devais prêcher là-dessus, mais le Seigneur a permis que ça soit aujourd'hui parce que, amen, à partir d'aujourd'hui, on va décortiquer un peu. Et j'aimerais que vraiment tu t'appuies sur ça. Amen. J'aimerais vraiment que tu laisses ton esprit ouvert. Et comme j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas la connaissance parfaite. Non. Dieu peut passer par nous, donner des messages. Mais la plupart du temps, le Seigneur aussi va passer par ce que je dis pour t'ouvrir plus l'esprit. Amen. Et quand c'est comme ça, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Ce que je ne t'ai pas dit, tu verras que le Saint-Esprit va encore ajouter à ta connaissance. Comme je disais, si vous voyez une nouvelle personne, vous pouvez lui écrire pour lui dire bonjour. Amen. Ne soyez pas distrait, c'est vrai, mais en même temps aussi, partagez beaucoup d'amour sur cette page. Amen. Hein. Soyez partagez, soyez amical. Alléluia, la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui permet les connexions. Gloire à Jésus. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est épreuve. Deux points. Origine, conséquence et attitude. Amen. Épreuve, origine, conséquence et attitude. C'est le thème que nous allons traiter ces deux jours-là. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur nous dise que c'est bon pour que nous passions à un autre thème. C'est le thème que nous allons traiter. Et bien aimé, je vous disais que le Seigneur nous a dit à midi pour Jésus de revenir sur des bases, de revenir sur des choses qui sont très importantes pour la vie chrétienne. Pourquoi?
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous aimons les grands messages, nous aimons les choses comment on appelle ça même, transcendantales, ou je ne sais pas, modestes. On aime les choses compliquées, mais qui ne bâtissent pas la vie chrétienne, qui ne bâtissent pas notre foi véritablement à Christ. Vous savez, les choses qu'on néglige aujourd'hui, ce sont ou bien les petits thèmes d'après nous-mêmes. Ah non, je sais ce que déjà c'est que le preuve. Ah non, moi je sais déjà la nouvelle naissance c'est quoi. Vous voyez ces petites choses-là. D'après nous, hein, c'est ça le fondement de notre vie chrétienne. C'est ça effectivement le fondement de la vie chrétienne. Alléluia. C'est ça effectivement le fondement de notre vie chrétienne. Et c'est ce qui nous permet de maintenir notre foi, de maintenir le cap jusqu'à, alléluia, arriver vers Christ. Jusqu'à ce qu'un jour on soit enlevé, c'est ces choses-là, c'est ces connaissances-là qui peuvent nous aguerrir, qui peuvent nous bâtir dans l'esprit afin que nous soyons des chrétiens faits. Amen. Donc le Seigneur me dit aujourd'hui de parler de l'épreuve. Parce que beaucoup de enfants de Dieu ne comprennent pas qu'il peut y avoir des épreuves dans nos vies. Beaucoup d'enfants de Dieu ont l'impression que tout ce qui leur arrive est la faute à Satan, est la faute au démon. Tout ce qui nous arrive, à même temps, il faut qu'on rentre dans un temps de combat. Ouh, j'ai été attaqué. Ah, j'ai été attaqué. Est-ce que vous me comprenez? Et le Seigneur me dit, est-ce qu'il n'y a pas d'attaque des ténèbres? Si, il y en a. On est d'accord, nous tous. Il y a des attaques des ténèbres. Il y a des attaques de Satan. Parce que la Bible dit que Satan rôde, alléluia, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tous les jours même qu'il arrive à te toucher. Tant que tu es dans une certaine position, ce n'est pas tous les jours qu'il peut te toucher. C'est quand tu ouvres une porte afin qu'il puisse rentrer pour essayer de te dévorer. Alléluia. Donc, il y a des attaques ténébreuses. C'est la vérité. Mais la plupart du temps, nous qui sommes des véritables enfants de Dieu, le Seigneur va emmener dans nos vies souvent des épreuves. Et ces épreuves-là ont des buts, ont un but bien précis. Le Seigneur va passer par certaines situations pour pouvoir nous, comment on appelle ça, nous voir à quel niveau nous en sommes en fait avec lui. Et la plupart de ces épreuves-là, toi, enfant de Dieu, tu vois ça comme on m'attaque. Tu vois ça comme les démons sont contre ma vie. Tu vois ça comme non, c'est l'esprit de ma famille. Tu vois ça comme si. Non! Aujourd'hui, le Seigneur veut changer la mentalité d'un enfant de Dieu. Le Seigneur veut ouvrir tes yeux. Vous savez, tant que nous sommes aveugles, nous ne pouvons pas voir devant nous. Alléluia! C'est quand tes yeux sont ouverts que tu peux savoir que ça c'est un caillou. Si je tape mon pied là-dessus, je risque de me blesser. Mais si tu es aveugle, tu vas aller taper ton pied et puis c'est fini, tu es blessé. Et puis bon, voilà, voici les conséquences de tout ce qui peut se passer. Gloire à Jésus. Alors, je vais déjà commencer par dire quoi? L'épreuve, c'est un essai par lequel on éprouve la résistance. Amande Kerebo. On éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. Ça, c'est un objet, par exemple. Ou on va faire des essais et puis on vient de produire quelque chose. On vient de lui donner tout ce qu'il faut. Je prends un exemple, un ordinateur. On vient de produire cet ordinateur. Ils ont mis toutes les applications qu'il faut. Tous, en tout cas, vous qui connaissez l'informatique, hein, ils ont mis tout là-dedans. Avant de le mettre sur le marché et d'être sûr de que cet ordinateur-là va pouvoir rendre le service qu'il faut, il faut que cet ordinateur-là passe par des épreuves, passe par des tests. Passe par des tests de résistance. Des tests, par exemple, où les gens vont aller sur l'ordinateur, faire beaucoup de choses, essayer de le laisser tomber pour voir est-ce qu'au premier, dès qu'on le laisse tomber, est-ce qu'il se casse. Un exemple, on va essayer de prendre l'ordinateur, les touches, essayer de taper sur les touches par des milliers de fois pour voir est-ce que les touches sont résistantes. Ils vont voir est-ce que dès qu'on touche l'écran se casse, la résistance de l'écran. On va voir, par exemple, les applications qu'on a mis dedans. Est-ce que... Hein? Bon, là encore, ça c'est un autre type parce que c'est chacun son application aussi qui va aussi tester son application. Donc, l'épreuve, amen, c'est aussi un essai par lequel on éprouve la résistance et la qualité de quelque chose. Un test, des critères, amen, qu'il doit remplir pour qu'on puisse se dire, ah oui, c'est bon, cette chose qu'on a fabriquée ou bien ces choses qu'on a déposées là sont effectivement de bonne qualité. Amen. Donc, c'est pour cela que le Seigneur revient. Je donne cet exemple pour que vous compreniez. Et dans les choses du Seigneur, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand il a fini de nous éduquer, nous avons accepté de dire, Seigneur, nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur.
Alléluia. Quand nous avons fini, ah, papa soit béni au nom de Jésus. Papa Bélaise soit béni. Amen. Hein? C'est notre papa. Amen. Dites bonjour à notre papa. Papa Bélaise, l'évangéliste Bélaise. Alléluia. Je vous ai dit que la page, c'est la page de l'amour. Hein? Donc, ne vous empêchez pas. Ne soyez pas distrait. Mais si vous voyez une nouvelle personne ou quelqu'un, vous pouvez lui dire un petit bonjour. Alléluia. Alors, donc, je continue à vous dire que quand Dieu est venu, par exemple, et tu as dit, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Par la parole, il va t'enseigner. Par la parole, il va déposer des choses dans ta vie. Alléluia. Par la parole, il va t'enseigner, par exemple, la foi. Il va t'enseigner sur le pardon. Il va t'enseigner sur l'amour. Il va t'enseigner sur beaucoup de choses. Tu vas aller à l'église. Par ses serviteurs, tu vas entendre beaucoup de choses. Amen. Comme sur la page Midi pour Maison du Refuge. À Midi pour Jésus, par exemple, tu vas entendre que voilà comment on fonctionne avec Dieu, comment on peut garder le calme, comment on peut faire chose, telle chose. Vous voyez, Dieu va voir que j'ai fini de t'enseigner. Maintenant, je regarde ta manière de marcher. Je veux voir, est-ce que tu peux mettre en application, est-ce que je peux compter sur toi, sur le message que je t'ai enseigné. Voilà comment Dieu fonctionne. Alléluia. Voilà comment ton Dieu que tu connais tous les jours, là, il fonctionne. Donc, tu vas voir que chaque fois, devant quelque chose que tu auras appris, devant un enseignement que tu auras acquis, les temps qui suivent, fais très attention. Les temps qui suivent, tu seras confronté à un choix. Tu seras confronté à une épreuve. Et souvent, tu ne te rappelles même pas du message. Mais tu seras confronté et Dieu va te donner un petit, comment on appelle ça? Un petit test. Pour voir est-ce que ce qu'elle a, ce jour-là, elle a dit non, oh alléluia, oh ce message est tellement glorieux, oh Seigneur, merci, merci, merci. Est-ce que devant la situation, comment tu vas te comporter? Alléluia, comment tu vas te comporter? Donc, le Seigneur peut nous soumettre à certains examens. Le Seigneur peut nous soumettre, hein, et quand on dit on est soumis à un examen, c'est des candidats. Hein, qui vont passer un examen, ça peut être, qui vont passer des épreuves, qui seront sanctionnées par une réussite ou par un échec. Alléluia. Donc, devant certaines situations, soit tu auras réussi ce que Dieu t'aura demandé, soit tu vas, alléluia, échouer. Mais si tu échoues, en Christ, il n'y a pas d'échec. On apprend toujours de nos échecs. Alléluia. Et donc, le Seigneur, véritablement, il faut qu'un enfant de Dieu comprenne que tout ce qui lui arrive ne vient pas forcément de démons. Amen. Hein? Il y a des moments où le Seigneur permettra des situations pour t'éprouver, pour voir en toi. Est-ce que tout ce que tu as appris, tout ce que tu as magasiné jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu as été enseigné, tout ce que tu sais de la parole, parce que souvent on déclare des paroles, on déclare même la parole de Dieu, mais quand il est temps de l'appliquer, nous ne le faisons pas. Je prends un exemple simple. Le Seigneur nous dit par exemple, aimez vos ennemis. Facilement, je peux dire à mon frère, quand il est dans une situation, aime ton ennemi. Mais quand ça m'arrive, est-ce que j'arrive à aimer l'ennemi malgré? Est-ce que je pourrais le faire? Alléluia. C'est un test. Là, c'est un test qui est là. Allez, est-ce que tu me comprends? Le Seigneur dit, pardonne. Tu peux facilement dire à ton frère, ah, la Bible dit de pardonner. Le Seigneur dit de pardonner. Hein, laisse tomber. Ne reste pas dans telle chose. Mais dès que la situation t'arrive, où quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a écrasé, quelqu'un t'a dit une phrase, ou t'a dit quelque chose de blessant, est-ce que à ce moment-là, parce que Dieu peut pouvoir, peut permettre que quelqu'un te le fasse, pour juste voir ton attitude, est-ce que malgré tout, tu lui pardonneras? Est-ce que malgré tout, tu diras à Dieu, Seigneur, soigne mon cœur, je veux pardonner à cette personne, je n'ai pas la capacité, mais je sais que tu me donnes la force. Est-ce que déjà tu es prédisposé à obéir à cette voix? Voyez, c'est ça. Nous sommes en train d'être enseignés par Dieu et Dieu va déposer toujours des tests et des examens en face de nous. Ça peut être des tests très faciles, comme ça peut être des tests qui vont être un peu difficiles. C'est pour ça que nous allons prendre notre livre, notre Bible, pardon, oui, le livre de la prophétie, notre Bible, à partir de Job 1. Alléluia, Job 1 à 13. Mais je vais le lire quand même un peu rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, Job 1, amen, à partir du verset 1. La Bible dit qu'il y avait, dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Vous voyez, on dit qu'il était intègre et droit. Il craignait Dieu. Et se détournait du mal. C'est-à-dire que lui-même là, quand il voit le mal, il n'entrait pas dedans, il se détournait. Et lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500
paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était plus éminent que tous les fils de l'Orient. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et qu'ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 5. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. Au verset 6, c'est à partir de là que ça m'intéresse. La Bible dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. Alléluia. Le Seigneur va lui-même établir son propre conseil, va décider ce jour-là de faire réunion avec ses fils, amen, hein? Avec ceux avec qui il travaille, avec les anges, avec les archanges. Il décide de faire une réunion. Et à cette réunion-là, Satan, le calomnateur, l'accusateur, va se présenter. Ça veut dire qu'il n'est pas, c'est pas empêché pour Satan. Satan, il peut arriver chez Dieu à n'importe quel moment. Ça, c'est la preuve qui est là. Satan aussi vient, il se présente. Et Dieu lui dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est Dieu qui attire l'attention de Satan sur Job. Sinon, Satan s'est promené. Voyez, le Seigneur dit quoi? La Bible dit quoi? Satan tourne, il rôde et il cherche qui dévorer. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'ouverture, Satan ne te touche pas. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi Satan est allé tourner sur toute la terre? Et puis il n'a pas remarqué que non, Job est trop à l'aise. Attends, il a le tapé un peu. Il ne pouvait pas. Parce que Job craignait Dieu. Job marchait avec Dieu. Job était intègre. Job vivait selon la voix de Dieu. Donc Satan ne pouvait pas avoir accès à sa vie. Il y a beaucoup de doctrines qui doivent être détruites au jour d'aujourd'hui dans lesquelles nous sommes. Il y a beaucoup de connaissances, de choses qu'on a apprises, qu'on doit enlever dans notre mentalité. Alléluia. Job, Satan se promet. C'est vrai, il n'est pas omnipotent. Mais il avait déjà vu Job. Puisque, regardez comment il va répondre après. Il dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit craignant Dieu et ne se détournant du mal. Et Satan répondait à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ça veut dire que Satan a tourné sur la terre et il avait effectivement vu Job. Mais il n'avait pas le pouvoir de toucher Job. Je veux déclarer à quelqu'un et casser dans ta tête la mentalité qui te dit que tout le temps c'est toi en attaque là. Commence à changer ta tête. Si on t'attaque, c'est parce que tu as laissé une porte ouverte. Si le Satan arrive à t'attaquer, c'est parce que tu as laissé une porte ouverte. Je le déclare et je le dis haut et fort. Parce que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. C'est parce que tu as laissé une porte ouverte. Sinon, ce n'est pas une porte ouverte là. C'est que c'est une épreuve. Alléluia. Le Seigneur dit, Satan dit, moi j'ai vu Job. Toutes les fois qu'il m'a promis sa dette, Dieu voit Job. Mais il n'y a pas accès à sa vie. Alléluia. Vous allez voir ensuite que c'est Dieu qui va lui donner accès. Même les choses les plus difficiles que nous traversons, c'est vrai, c'est Satan qui agit, mais c'est Dieu qui donne accès. Alléluia. C'est Dieu. Le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera pas pour te faire plaisir, mieux pour faire plaisir à tes beaux yeux. Non. Il y a des mentalités qu'on a qui font que nous ne progressons pas avec le Seigneur. Nous n'allons pas loin avec lui. Nous restons toujours bébés et basiques dans les choses de Dieu. La Bible dit, Satan va répondre à Dieu. Il lui dit, mais est-ce que tu es sûr que c'est de manière désintéressée que Job fait ça? C'est parce que ta main est sur lui. Ne l'as-tu pas protégé? Tu vois? Celui qui marche en nous
nouveauté de vie avec Christ, celui qui a une vie correcte avec Christ, celui qui marche en nouveauté de vie, qui marche dans la droiture, l'Éternel le protège. Ne l'as-tu pas protégé? Ça, c'est Satan qui parle. Ne l'as-tu pas protégé? Lui et sa maison, et tout ce qui est en lui, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et tes troupeaux couvrent couvrent le pays. Verset 11. Mais étant, regarde, maintenant Satan vient maintenant. Et puis il dit à Dieu, c'est pas lui qui l'a protégé. Tu l'as béni, tout ce qui touche prospère. Hein? Comment tu veux que lui là, il puisse dire qu'il t'aime pas? Il t'aime à cause de ce que tu lui as donné. Enlève-lui ça, tu vas voir. Donc il lui dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alléluia. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Voyez? Seulement ne porte pas la main sur lui et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Voyez, là il y a un duel. Bien-aimé, ce matin, je veux te parler du duel. Je veux te parler de comment souvent dans le ciel, il y a une décision qui est prise, mais qui va t'impacter, mais qui ne vient pas de toi forcément. Et c'est parce que tu m'as compris. Job, assis dans son coin, ne savait rien, n'était au courant de rien. Mais dans le ciel, Dieu décide de démontrer à Satan que son serviteur, son enfant qui est sur la terre là, l'aime au-delà de tout. Ne l'aime pas seulement pour ce qu'il lui donne, mais l'aime de manière profonde. L'aime de manière intense. L'aime au plus profond de son âme. Ne l'aime pas juste parce que tout va bien chez lui. Le duel se passe maintenant entre Satan et Dieu. Chacun veut démontrer à l'autre que l'enfant de Dieu qui est sur la terre là, ne peut pas avoir une foi authentique. Vous savez, il y a des moments, enfant de Dieu, tu vivras des situations. Ça ne dépend pas du péché que tu as fait. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait comme action. Mais ça dépend du conseil de Dieu. Dieu se lève et puis il te regarde. Tu es comme un champion, une championne. Il te regarde et puis Satan vient dire quoi? C'est parce qu'elle est encore, elle a tout ce qu'elle veut. C'est parce qu'il a tout ce qu'il veut. Son ministère prospère. Les gens sont bien avec lui. Oh, enlève-lui ça et puis tu vas voir. Donc, il y a un duel, il y a un combat qui se passe dans le ciel. Toi-même là, tu n'étais même pas au courant, tu n'es pas allé demander quelque chose à quelqu'un. Et puis Dieu se donne le droit de te mettre à l'épreuve pour démontrer aux hommes, pour démontrer à Satan que tu as une foi authentique. Dieu se donne ce droit. Alléluia. Je me suis assise, j'ai dit, Seigneur, permets-moi de lire entre les lignes dans les situations qui arriveront dans ma vie. Je ne veux plus être de ceux-là qui tout de suite, quand il y a quelque chose à woyo, qui commence à crier fire, feu. Il faut que quand une situation arrive, je me calme, je m'asseye et je commence à regarder entre les lignes. Est-ce que mon Dieu n'est pas en train de m'éprouver? Est-ce que mon Dieu ne veut pas démontrer autour de moi qu'il est sûr de mon attachement à lui? Est-ce que ce n'est pas parce que la chose n'arrive pas depuis là? Est-ce que quelque part mon Dieu ne veut pas voir le degré de ma foi, le degré de mon attachement? Est-ce que ce n'est pas ça que Dieu veut voir? Bien-aimé, le Seigneur m'a amené comprendre. Il y a des épreuves qui ne dépendent pas de tes actions que tu as posées. Ça, c'est ça qu'elle a là. Ce n'est pas parce que Job a péché que ça arrive. Donc, il y a des choses qui arriveront à un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a péché. La Bible dit, le juste, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi il en délivre? Amen. L'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Je veux glorifier le nom du Seigneur. Satan va demander à Dieu, étends la main. Je ne vais pas lire la suite, c'est un peu long. Mais tout le monde sait l'histoire de Job. La Bible dit que le feu va descendre sur ces animaux. Tout va être détruit. Tout va être ravagé. Tout va être ravagé. Tous ses enfants vont mourir.
le même jour, tout va être ravagé. Bien-aimé, il y a des choses que tu vis dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as mal fait. Mais Dieu veut voir à quel point tu es attaché à lui. Dieu veut voir ton intéressement. Dieu veut voir ton cœur pour lui. Dieu veut voir ta foi authentique. Parce qu'il y a des fois qui ne sont basées que sur quand Dieu me bénit. Ça, ce n'est pas authentique. Ça, c'est parce que tout va bien que j'ai la foi. C'est ça qui fait que je vais à l'église tous les jours. C'est ça qui fait que j'honore Dieu. C'est ça qui fait que je suis dans une intimité avec Dieu. Parce que tout va bien. Parce que tout est rose. C'est ça qui fait que je continue à adorer Dieu. Il n'y a pas de manque dans ma vie. Vous voyez? Cette foi-là, elle n'est pas éprouvée. Cette foi, elle n'est pas éprouvée. N'ayez pas peur de Dieu qui veut démontrer votre attachement. N'ayez pas peur. À Dieu, est-ce que quand tout va mal dans ta vie, la maladie vient oppresser ton corps, oppresser ton âme, tu peux encore être attaché à Dieu? Est-ce que quand tu es là et que tu n'arrives pas à enfanter, alors que c'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, tu adores Dieu? Le Seigneur t'avait dit quand tu venais à lui, il dit je te pardonne toutes tes erreurs, même si tu avais fait des erreurs. Le jour où tu as dit oui à Christ, le Seigneur a oublié, il t'a pardonné. Et malgré ça, tu n'arrives pas à enfanter. Tu n'arrives pas à toucher certaines choses. Est-ce que c'est parce que le Seigneur t'a abandonné? Est-ce que c'est parce que quelqu'un s'est élevé? Satan, là, Dieu va toujours l'utiliser pour que... Mais à la vérité, là, Dieu est en train de tester l'authenticité de ta foi. L'authenticité de ta foi. Est-ce que ta foi est authentique, enfant de Dieu? Est-ce que ta foi est authentique? Il y a un duel qui se passe dans le ciel. Dieu doit gagner. Il a parié sur toi. Est-ce que ta foi est authentique? Alléluia. Les conséquences, c'est que tu vas avoir des problèmes dans ta vie. Il y aura un manque dans ta vie. Quand une épreuve vient dans nos villes, il y a forcément quelque chose qui va se voir. Alléluia. On a dit Job, pas Jonas. Alléluia, Job. Gloire à Jésus. Amen. Il y aura forcément un manque. Tu es enfant de Dieu, il y aura un manque. Regarde dans ta vie, il y aura un manque. Mais assure-toi que ce n'est pas la résultante de ton péché. Ou bien de la résistance d'une certaine désobéissance. Ça aussi, c'est à part. Ça, on va parler de ça tout au cours de ce thème-là. Nous allons décortiquer les différents aspects, des différentes épreuves qui arrivent à partir de 2. C'est pour ça que j'ai dit épreuve, origine, conséquence, attitude. N'est-ce pas? Donc, il y aura un manque. Job se retrouve sans rien. La Bible dit, au verset 20, toujours de Job 1, il dit... Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de l'éternel de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Est-ce que toi, devant la situation qui t'arrive, tu dis, Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour ce que je t'ai traversé. Parce que tu vas prendre cette opportunité-là pour m'étirer encore plus. Est-ce que quand les gens te rejettent, les gens te disent toutes sortes de paroles, est-ce que tu t'assois pour dire, Seigneur, merci parce que je participe à tes souffrances? C'est ce qu'il dit là. Rares sont beaucoup d'hommes de Dieu qui ne vont pas te dire ça. Hein. Parce qu'eux, ils vont te dire seulement, viens hier prier pour toi, la situation va passer. Et puis tu es étonné, depuis la situation ne passe pas. Hein? On prie, oh, ça ne passe pas. Mais assieds-toi un peu, calme-toi un peu. Regarde un peu, qu'est-ce qui se passe? Pose-toi les vraies questions. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, est-ce que tu es en train de m'éprouver? Est-ce que ce n'est pas parce que tu veux voir si j'ai encore la foi? Est-ce
Est-ce que vous ne vous posez pas ce genre de questions? Dès qu'il y a un souci, on court en même temps. On doit vite nous délivrer pour qu'on passe à autre chose. Mais bien aimé, comment le Seigneur sait que tu as la foi? Comment il sait que tu l'aimes véritablement? Même les gens qui passeront la grande tribulation seront éprouvés dans le règne de 1000 ans. Ils seront éprouvés. Leur amour pour Dieu sera éprouvé. Je crois qu'un jour, le Seigneur me donnera l'opportunité de venir parler du règne de 1000 ans, de la tribulation et du règne de 1000 ans, de 1000 ans, de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Ils seront éprouvés. Vous pensez que vous n'allez pas passer par ça? Et bon, voilà, c'est fini comme ça. Si Dieu décide même de dire que toi, tu es mon enfant, je ne te donne pas d'enfant sur la terre, est-ce que tu continueras à m'aimer? C'est la question que le Seigneur te pose ce matin. Femme, Dieu dit, je ne te donne plus d'enfant. Voilà. Bien, vous, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu vas continuer à m'aimer? Tu vas voir. Tu as dit, c'est ça, je t'abandonne. Hein? Vous n'avez pas compris qui est ce Dieu. Amen. Oh. Bien aimé, la foi de Job n'est pas dans son cœur simplement. Elle est aussi dans ses actes et c'est visible. Job démontrait sa foi. Ça veut dire qu'il était juste. Il faisait du bien aux gens. Il démontrait. Voilà pourquoi on dit la foi sans les œuvres, elle est nulle. Tu as foi en Dieu? Ta foi authentique. Mais seulement, il ne faut pas que ce soit dans ta tête, toi seul. Je marche, j'ai foi. Mais il faut qu'on voie. Ce sont les actions que tu poses qui nous permettent de savoir que tu as vraiment une foi authentique. C'est ton attachement à Dieu qui me permet de savoir que tu as une foi authentique. Alléluia. Bien aimé, l'objectif du Seigneur, quand nous traversons une épreuve, est de démontrer aux yeux de Satan, aux hommes, le degré de notre attachement et l'authenticité de notre foi. Je vais répéter ça 1000 fois pour que ça reste là. Parce que tu as entendu 5000 fois que c'était toujours Satan qui t'attaquait. Donc il faut que je répète la vérité là 1000 fois pour que ça reste. Et que pourquoi à partir d'aujourd'hui, tes yeux ne voient plus en fonction d'une fausse doctrine, mais voient en fonction de la vérité de Jésus. Amen. L'attachement, l'authenticité de notre foi qui n'est pas liée au confort et au bien-être. Qui n'est pas liée aux bénédictions que Dieu nous donne. Alléluia. Bien-aimé, quand Job traversait cette situation-là, tous ses amis trouvaient qu'il était maudit de Dieu. Il avait forcément fait quelque chose. Il avait forcément été, un porte-à-faux avec Dieu. Il y avait forcément quelque chose qu'ils avaient. Pour eux, ce n'était pas possible. Parce que dans l'Ancien Testament, quand vous lirez la plupart du temps, vous dites, le juste, Dieu fait ça pour juste. Dieu fait ça pour le juste. Jamais le juste n'a telle chose. Il n'y a pas de calamité chez le juste. C'était cette mentalité qu'ils avaient. Mais Dieu devait venir rectifier quelque chose dans la mentalité des gens. Pour dire, quelqu'un peut ne rien faire. Mais je peux décider de le tester, de voir ce qui est dans sa vie. Alléluia. Autour de lui, il y avait beaucoup de paroles. Autour de lui, les gens disaient qu'il était maudit de Dieu. Les gens disaient que, ah, mais si Job, comment un seul jour, tout ce malheur-là, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui-là. Et c'est ce qui s'est passé. Eliu et tous ses autres amis sont venus le maudire pratiquement. Lui dit, mais réponds-toi, Job. Réponds-toi, tu as trop péché, tu as péché forcément. Si tu n'as pas péché, Dieu ne peut pas te faire ça. Il y a des situations que nous vivons, ou des frères vivent, ce n'est pas parce qu'ils ont péché. C'est un test pour eux. C'est Dieu qui veut les tester. Alléluia. Ne voyez pas tout en négativité. Ne voyez pas tout en quelque chose de « non, c'est ci, c'est ça ». Non. Non. Je parlais avec une dame. Le vendredi ou le dimanche. Et le samedi, qu'est-ce que je raconte? Samedi. Bien-aimé, j'ai été touché. Voici une dame à qui Dieu avait tout donné. Elle avait tout. Elle avait une entreprise. Elle avait une maison. Amen. Elle était mariée. Elle a des grands enfants. Du jour au lendemain, elle perd son entreprise. Elle était chrétienne. Et elle m'a dit, servant de Dieu, j'ai beaucoup aidé les ministères, l'œuvre de Dieu avec l'argent que j'avais de cette entreprise-là, parce que c'est dans la révélation que Dieu m'a donné en songe le nom de l'entreprise. Et comme j'étais déjà chrétienne, je servais déjà Dieu, j'ai beaucoup fait les choses avec l'argent qui venait de cette entreprise. Est-ce que vous me comprenez? J'ai la chair de poule quand j'en parle. La femme dit, j'ai beaucoup fait les choses, les œuvres de Dieu, avec.
Et un matin, l'entreprise est tombée. Son mari l'a lâchée. Alléluia. Son mari l'a quittée. La maison qu'elle avait, elle l'a perdue. Elle se retrouve aujourd'hui. Quelqu'un qui avait tout se retrouve aujourd'hui. Amen. Dans ce pays-là, dans les centres d'hébergement. Et je parle avec elle. Le Seigneur me dit, elle est riche. J'ai dit, maman, tu sais que tu es riche. Tu sais que tu es riche. Tu peux ne pas avoir l'argent physique, mais tu es riche. Elle me dit, c'est une confirmation. Je dis, écoute-moi bien. Le même Dieu, c'est juste un moment. Le Seigneur a permis que tu vives tout ça là pour ouvrir tes yeux sur beaucoup de choses, sur beaucoup de fonctionnements, sur beaucoup de choses. Mais j'ai été choquée parce que cette dame ne m'a pas appelée pour dire, prie pour moi pour que je sois des... Non, non, non. Elle me disait seulement, je veux servir mon Dieu. C'est bon, si tu as des programmes, dis-moi pour que je vienne adorer mon Dieu, pour que je vienne chanter, pour que je vienne célébrer Dieu. Je t'ai abasourdi. Je dis, mais voici une attitude qu'on doit avoir parce que depuis le Seigneur m'avait parlé de ce thème, mais je passais à d'autres thèmes. Mais le témoignage de cette femme m'a mené à comprendre qu'il faut que je parle aux enfants de Dieu. Il faut que je parle aux enfants de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, je suis admiratif. Ou admirative, je veux dire. Amen. De la relation que cette dame a avec Dieu, malgré après avoir tout perdu. Toi, tu n'as même pas encore perdu le cas, mais elle, c'est un peu comme Job. Elle me dit, servant de Dieu, je veux écrire ma propre histoire de comment Dieu m'avait élevé, il m'a rabaissé et il m'a repositionné. Oh, ma caravache, Kirebo. Bien aimé, je lui ai dit, dans mon cœur, je disais, Seigneur, donne-moi cette foi. J'aime les gens comme ça. Qui ne s'appuie pas. C'est pour cela que l'évangile qui ne fait que détourner vos regards sur ce qui est sur la terre, là, ça va vous perdre. Tout ce qui est en train de vous détourner, mon enfant, mon argent, ma maison, mon zinzin, mon ministère, mon aîné, ça va vous perdre. Au temps opportun, quand Dieu va vouloir vous secouer, il va vous mettre dans la balance, vous serez comme des plumes. Il dit, c'est Nebuchadnezzar ou bien je ne sais pas qui là. Il dit, j'étais pesé. Je t'ai trouvé léger. Léger. Il n'y a rien en toi. Hein? Moi, je veux que quand Dieu me pèse, balance là même, n'a qu'à prendre même son yes. Parce que la foi authentique en moi, parce que l'amour de Christ est en moi, parce que l'Esprit de Dieu me remplit, parce qu'aucune situation ne peut me faire perdre le cap. C'est de ça que Dieu veut te parler aujourd'hui. Cette femme, j'ai été tellement admirative. Je l'ai écoutée avec tellement d'eux. J'ai dit tellement d'eux. Je ne sais pas. Je m'attendais à... voilà, voilà. Au contraire. Elle me dit non. Le Seigneur veut écrire mon histoire. Est-ce que toi, tu peux dire ça? Le Seigneur veut écrire mon histoire. La Bible dit que Job a béni l'Éternel. Il dit, mais je suis venu nu. Je retournerai nu. C'est pour ça que je n'aime pas les prédicateurs qui fustigent Job. Je n'aime pas. Parce que, à la vérité, il y a des choses à tirer là-dedans. Pour que toi, tu puisses être encore plus solide. Amen. La Bible dit, comme je disais, les gens disaient qu'il était maudit. Malheur qu'il n'était pas maudit, c'était un test que Dieu lui faisait passer. Amen. Alors que c'était un plan céleste qui était en marche. Sur la vie des gens. Peut-être que c'est un plan céleste aussi qui est sur ta vie. Hein? Peut-être que Dieu veut glorifier son nom au travers de la situation qui est là. C'est à toi de pouvoir voir et de faire les choses d'une autre manière. Alléluia. Amen. Donc les conséquences, c'est le manque. C'est le fait de ne pas avoir. C'est le fait de manquer de quelque chose. Ou de perdre même des choses. Je vais vous donner un exemple, par exemple, de l'homme de Dieu, Dad Mills. Hein, le papa qui est au Ghana. Amen. Bien-aimé, il a organisé une grande croisade. Il devait faire une grande croisade dans son pays au Ghana. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible, dans le témoignage que je reçois de lui, c'est que cet homme-là, au moment où il était en train de préparer cette grande croisade dans les pays, dans les villes de tout le Ghana, voici un homme, quand il arrive quelque part, les paralytiques se lèvent, on dit amusement. Les boiteux marchent, on dit amusement. Les aveugles, les yeux sont ouverts, on dirait rien, quoi. Et son fils qui est aux États-Unis, si je ne me trompe pas, il apprend la veille du jour où il doit faire l'évangélisation. Il apprend que son fils est mort.
je crois que son premier fils. Si je me trompe, pour me corriger, c'est pas grave. Alléluia. Son premier fils décède. Bien-aimé, d'autres hommes de Dieu vont lui dire, ah non, ça là, faut te reposer, ça fait trop mal, faut pas faire l'œuvre. Non, non. Ah, perdre son fils, Dieu même comprend. Dieu même sait. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Dieu va éprouver la foi de cet homme. Le témoignage de ce monsieur, c'est que quand il a appris que son fils est mort, il s'est assis, il a pleuré, il a fini, il a essuyé ses larmes, il a appelé son groupe. Et puis il a dit, bon, on est à quel niveau? Les gens sont choqués. Tout le monde en était pleuré. Lui, c'est lui qui dit, on est à quel niveau? Le lendemain, il se présente devant la foule qui attend Jésus. Son fils est mort, le corps n'est pas encore refroidi. Il n'est même pas encore enterré. Il laisse le cadavre de son fils et il part servir son Dieu. Est-ce que toi, tu peux faire ça? C'est là que le Seigneur veut nous envoyer. Si nous voyons tout en démon, nous n'allons jamais être tirés. Notre foi ne va jamais grandir. Jamais. Il part. Bien aimé, des millions et des milliers de personnes sont sauvées ce jour-là. Des gens vont se lever au Ghana. Des paralytiques vont marcher. Des gens vont voir quand il finit le programme. Maintenant, il vient s'asseoir pour parler maintenant et pour enterrer son fils. Est-ce que toi, tu pourras le faire? Vous voyez? Lui, c'est son épreuve que Dieu lui a envoyée. Et il a réussi avec brio. Mais toi, est-ce que l'épreuve qui est dans ta vie, tu l'as reçue? Est-ce que tu peux le réussir? Amen. Bien-aimé, devant les épreuves, devant les situations que Dieu envoie, comme je disais, ne maudis pas Dieu. L'attitude à avoir, ne maudis pas Dieu. Ne te plains pas. Parce que si tu t'es arrêté et que tu as compris que là, je crois que depuis je prie, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne me lâche pas, c'est que c'est Dieu qui permet ça comme ça. Commence à changer de mentalité. C'est pour ça que dans Job 1, du verset 21 à 22, vous verrez, Job va dire, mais je suis né nu, je retournerai nu. Donc je crois que mon Dieu, s'il l'a fait, il sait pourquoi il l'a fait. Job n'avait pas connaissance de ce qui est en train de se passer dans le ciel. Job ne savait pas que cette épreuve-là était là pour pouvoir vérifier et que Dieu montre à Satan et même aux gens qui sont autour de lui qu'il avait une foi authentique. Alléluia. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quelle que soit la situation, l'épreuve qui est là, l'attitude que vous devez avoir, ne maudissez pas Dieu, ne dites pas « mon Dieu m'a abandonné, mon Dieu n'est pas un moi, ah moi je ne comprends pas, ça fait maintenant 10 ans, ça fait maintenant 20 ans ». Laissez les gens vous calomnier, laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Deux, accroche-toi davantage à Dieu. Alléluia. Accroche-toi davantage en Dieu. Accroche-toi davantage à Dieu. Au verset 22, il dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas assis pour dire, ah, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Dis des paroles. Non, il n'a rien attribué de méchant ou de bizarre à Dieu. Amen. Et c'est pour ça que je te dis, ne te plains pas, fais attention à ce que tu fais sortir de ta bouche. Mais continue à t'attacher, parce que c'est un test. Mais forcément, le test a une fin. Depuis qu'on va passer concours, et puis concours, on est assis dans concours là toute la vie. Attendez, dites-moi. Depuis quand quelqu'un va passer un examen, et puis il n'y a pas un jour qui est déterminé. L'examen commence tel jour et s'arrête tel jour. Dites-moi, c'est quel genre d'examen ça? Non! L'examen là, il y a un début et il y a une fin, bien aimé. Le concours que tu passes, il y a un début et puis il y a une fin, bien aimé. C'est pour cela que tu ne dois pas t'arrêter sur ce qui se passe maintenant et penser que ta vie est finie. Il y a une fin. Qui passe un test, même dans votre travail, où vous travaillez tous les jours, quand vous passez les tests là, c'est pour toujours. Souvent c'est un seul jour, souvent c'est 2 heures, souvent c'est 3 heures. Seulement que vous ne connaissez pas, nous les hommes, on détermine. Mais pour Dieu, comme on n'a pas la connaissance, on ne sait pas le temps que ça va prendre. Mais c'est à nous de garder une attitude positive, une attitude de toujours nous accrocher à Dieu, marcher selon les voies de Dieu, rester dans la présence de Dieu. C'est là, c'est l'attitude qu'il faut que tu aies. Tu ne dois pas dans ton cœur maudit Dieu. Empêche les gens même autour de toi de dire, ah ton Dieu aussi, hein, quand quelqu'un parle là, rabrouille-le, ferme sa bouche. Dis-lui, tu ne sais pas les plans de Dieu pour ma vie. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Bien aimé, les gens peuvent t'insulter. Ils vont dire,
que tu es chrétienne, pourquoi depuis que tu es chrétienne, pourquoi depuis tu n'as pas telle chose? Dis-le, tais-toi, ce n'est pas ta vie, c'est ma vie, c'est mon Dieu qui tient ma vie entre ses mains. Il sait ce qu'il est en train de faire. Dis-le, tais-toi. Alléluia. Et c'est ce que Job a passé le temps à faire. Pas qu'il était en train de montrer qu'il était fort, mais il montrait aux autres que ce n'est pas à vous de déterminer. Laissez Dieu dire. Ce n'est pas à vous de déterminer si j'ai péché ou pas. Alléluia. En troisième lieu, veille chaque jour sur tes actions, sur ce que tu fais, sur ta manière de poser, d'agir, sur ta manière de parler. Veille dessus jusqu'à ce que le Seigneur te sorte de cette épreuve, jusqu'à ce que le Seigneur te sorte de ce duel que lui-même il a créé dans le ciel. Vous voyez, donc il y a des épreuves, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de ce que le Seigneur lui-même a parié que vous êtes capable de remporter et de gagner cette épreuve et de pouvoir grandir encore avec lui. Et vous verrez que quand vous arrivez à sortir de cette épreuve, vous arrivez à gagner cette étape-là, il y a une bénédiction qui suit toujours. Dieu va vous bénir, il vous récompense toujours. Il va récompenser toujours. C'est un papa, c'est un bon papa. Amen, hein? Un bon papa, quand tu as reçu ton examen, jamais il ne te laisse comme ça. Ah, il y a toujours un petit cadeau qui vient. Mon enfant, tu as réussi. Oh, viens dans mes bras. Mon enfant, tu as réussi. Oh, je t'aime, viens. Tu veux quoi? Tu veux manger quoi? Même celui qui n'a rien, il va au moins demander à son enfant, tu veux manger quoi? Il veut manger poulet. Maman, prépare poulet, mon enfant va manger, il a réussi. C'est comme ça, il y a toujours un cadeau à la clé. Il y a toujours quelque chose que Dieu va te donner à la clé. Voilà pourquoi après l'épreuve de Job, la Bible dit que Dieu va le restaurer combien de fois? Doublement. Amen. Il va le restaurer. Alléluia. Et il va voir les choses qu'il avait perdues vont devenir maintenant rien pour lui. Parce que ce qu'il a aujourd'hui, dans l'actualité, après avoir traversé tout ça, le Seigneur l'a récompensé jusqu'à effacer les douleurs de ce qui s'était passé avant. Donc je veux te dire aujourd'hui que ce que tu traverses, si c'est un plan divin, et que ce n'est pas parce que tu as péché, alléluia, et que ce n'est pas parce que c'est toi-même qui allais te mettre dans quelque chose, ton Dieu, si tu patientes, tu es calme. La Bible dit l'épreuve de notre foi produit la patience. Si tu patientes, tu es calme, tu adores Dieu, tu ne t'éloignes pas de Dieu, tu es dans la présence de ton Père, tu n'accuses pas ton Dieu, tu es toujours en train de le célébrer. Le temps vient où ce test va avoir sa fin et la bénédiction va accompagner automatiquement. C'est la parole de Dieu qui est là et c'est la vérité. Alléluia. Bien-aimé, je voulais te dire quelque chose. Un homme peut être pauvre, malade, souffrant et être un ami de Dieu. Job est resté ami de Dieu dans sa maladie. Amen. Deux personnes peuvent vivre la même calamité. Pour l'un, c'est une épreuve et pour l'autre, c'est un châtiment. Mais celui pour qui c'est une épreuve, j'espère que vous m'écoutez bien. Celui pour qui c'est une épreuve, le Seigneur ne l'éprouvera jamais au-delà de ses forces. Il a une force de surmonter. Il a une force et une capacité de supporter. Lui-même, souvent, il s'assoit et dit, mais où je trouve même la force de supporter encore même? Ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu lui permet d'avoir la force de surmonter et de supporter ce qu'il traverse. Le juste peut avoir souvent le malheur, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pour l'autre, amen, qui est un châtiment, il n'a pas la force de surmonter. La situation, la calamité va l'emmener dans la tombe. La calamité va le détruire à condition qu'il se repente. Parce que souvent, c'est parce que la personne a agi contrairement aux voies de l'Éternel que ça devient une calamité pour lui et que ça devient, amen, la mort pour lui. Sinon, pour quelqu'un qui est éprouvé, quelle que soit la dureté du souci, quel que soit le problème qui viendra, la personne aura la force de tenir jusqu'au bout. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Pour vous, dès qu'il y a une situation, il faut que Dieu me retire de là. Mais non, il y a des situations, Dieu ne va pas te retirer. Il va te dire, calme-toi, continue à m'adorer. Je suis en train de faire un travail. Je suis en train de t'établir, je suis en train de te maintenir, je suis en train de te positionner. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. J'aimerais qu'on lise le livre de Psaume 34. Alléluia. Psaume 34, je l'ai dit plusieurs fois, mais je voulais qu'on le lise quand même en entier. Psaume 34, à partir du verset Gloria Macanta Barregede. Psaume 34. Gloire à Jésus. À partir du verset 20.
Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Vous voyez ce que je disais? Le Seigneur, quand c'est une épreuve, ça ne peut pas te tuer, ça ne peut pas t'arrêter, ça ne peut même pas te... C'est tes émotions seulement, mais il te donnera la force de tenir. Alléluia. Le malheur tue le méchant, vous voyez? Le méchant, c'est celui qui marche en contradiction avec la parole de Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. La même épreuve pour deux personnes différentes, le résultat est différent. Les ennemis du juste sont châtiés, l'Éternel délivre l'âme. Verset 23, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Tu as vu? Tu ne mourras pas. Et tous ceux qui ont le pour refuge, qui ont refuge, échappent au châtiment. Et tous ceux qui l'ont, amen, hein, qui l'ont pour refuge, échappent au châtiment. C'est pour ça que Jésus doit être ton refuge. C'est pour ça que Christ doit être ton refuge. C'est pour ça que tu dois toujours te cacher dans le sang de Jésus. C'est pour ça que tu dois toujours te cacher dans les vertus de Christ, dans la parole de Dieu. Tu dois toujours essayer de lui ressembler encore plus. En lui, celui qui se refugie, qui a pour Dieu, pour refuge, échappe au châtiment. Alléluia, que la grâce de Dieu repose sur toi. Ne t'inquiète plus de rien. Devant une situation, revois ta position, revois un peu ce que tu traverses. Et essaie d'identifier ce que tu traverses. Dès que tu sais que c'est une épreuve. Et dès que tu sais que ce n'est pas toi-même. Amen. Mais c'est vraiment quelque chose que tu ne comprends pas pourquoi c'est là. Remets-toi à l'Éternel. Et fais tout pour passer l'examen. Fais tout pour réussir à cet examen. Sinon avec Dieu là, tu vas recommencer encore. Ceci est la partie qu'on ne vous dit pas mais qui est vrai. Alléluia. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Mande kerebo santa barigri. Que le Seigneur te donne la force dans l'épreuve que tu traverses. Que le Dieu qui a déclaré dans sa parole, le juste, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et ses os ne sont point brisés. Que tes os ne soient point brisés. Que ce que tu traverses ne te détruise point. Que l'épreuve que tu traverses ne t'accable point. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce message est pour toi, femme. Ce message est pour toi, femme. Ce message est pour toi, femme. Oh, Mande Kerebo, je te délivrerai des mains de l'ennemi. Je te délivrerai des griffes de l'ennemi. Je te délivrerai. Alléluia. Je te délivrerai. Mande Kerebo Satabare. Et tu glorifieras mon nom. Et tu glorifieras mon nom. Et tu glorifieras mon nom. Ça, c'est quelqu'un qui. Amen. Hein? Oh, Mande Kerebo Satabare. Qui passe par des moments difficiles, qui est opprimé, oppressé. Le Seigneur dit qu'il te délivrera. Que la grâce aille plus loin. Que le Seigneur vous donne la force d'aller plus loin. Que le Seigneur vous donne la force de surmonter et de pouvoir au bout toucher la récompense, toucher la bénédiction, toucher la grâce qu'il a pour vous. Merci Seigneur. Que vos cœurs restent attachés à Jésus. Toute mentalité qui vous dit toujours de changer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit en abondance dans vos vies. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le shalom de Yeshua soit avec vous. Que la paix de Jésus soit avec vous. Afin que vous manifestiez la gloire de Dieu parmi les épreuves. Que vous soyez toujours en joie. Et que l'ennemi soit en train de pleurer. Parce qu'il ne comprend pas, il n'arrive pas à vous déstabiliser. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez fermes. Restez attachés à Jésus. Partagez la vidéo si ce message a été quelque chose de grand pour vous. Donnez ça à quelqu'un. Partagez. J'aime ça sur YouTube. Amen. Partagez. Ne vous empêchez pas de bénir la vie de quelqu'un avec. Il y a quelqu'un qui est dans le trou, qui a besoin de se relever. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Je vous aime. Nous nous retrouverons demain. Amen. À midi encore. Pour continuer notre thème. Que la grâce de Dieu repose sur lui. Shalom Sophie. Alléluia, sois béni, alléluia, sois béni, 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 béni. Je vous aime, tous ceux que je n'ai pas vus, je vous aime. Et aimons-nous dans la grâce du Seigneur. Mais surtout, mettons en pratique la parole de Dieu. Acceptons-la et nous allons aller loin avec lui. Shalom.